Le Noël de Princesse Sarah, un conte de Noël sur les patins, voilà le cadeau proposé par la mairie au Monégasque samedi. Un spectacle gratuit imaginé par Sarah Abitbol, ancienne patineuse professionnelle, multiple championne de France avec son partenaire Stéphane Bernadis. Les jeunes talents de la Fédération Monégasque de patinage, dont Alexandra de Hanovre, la fille de la princesse Caroline, ont eu l'occasion de présenter leur programme devant un public nombreux et notamment la princesse Charlène. Tous les yeux se sont rivés vers le ciel pour l'arrivée du Père Noël en parachute en compagnie d'un de ses fidèles lutins. Place ensuite au show, une vingtaine de patineurs ainsi qu'un chanteur et un magicien ont mis le feu à la glace. Le Noël de Princesse Sarah. Donc la princesse va commander plein de cadeaux par le Père Noël et elle espère que tous les cadeaux seront là, notamment un prince, un petit chien, un masque de Venise, un cerf-volant et elle veut danser avec Michael Jackson. Donc le Père Noël va essayer de traverser le monde entier pour réaliser tous ses vœux. Pour moi, c'est une reconversion parfaite. J'ai toujours rêvé de faire des spectacles déjà petite et là, je réalise mon rêve d'enfant en faisant ce spectacle depuis maintenant 2006. J'ai monté ma troupe Rêve de glace et ce nouveau spectacle cette année, Princesse Sarah, regroupe tout un ensemble de rêves. Sarah Abitbol a gardé un patin dans le monde du patinage puisqu'elle donne de temps en temps des cours aux enfants. Le Noël de Princesse Sarah a été présenté une quarantaine de fois dans toute la France dans le cadre d'une tournée qui touche à sa fin.